Bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une sauce vinaigrette simple pour votre purée d'avocat. Pour le faire, j'ai utilisé deux avocats, une pomme de France, des tomates cerises. Ce sont de petites tomates que vous trouvez au supermarché dans le rayon des fruits et légumes, des oignons, de l'origan, du poivre noir et blanc, du ail, du vinaigre, de la mayonnaise, de l'huile, du sel et du cube. Donc vous allez prendre une pincée pour chaque. Donc une pincée de sel, une pincée de cube. C'est aussi très important. Donc voilà tout pour réaliser notre purée d'avocat. Dans un saladier, je vais progressivement mélanger les avocats, les pommes, les tomates et les oignons. Pour ce qui est des épices, je vais les réserver pour faire ma sauce vinaigrette. Alors, la partie la plus importante est celle de la sauce vinaigrette. Pour la faire, j'ai utilisé de l'huile, du vinaigre, de la mayonnaise, du ail, quelques gousses d'ail, environ deux, du poivre blanc et noir, de l'origan, une pincée de sel, une pincée de cube. Pour ce qui est de l'huile, prenez toujours une quantité légèrement supérieure à celle du vinaigre parce que vous savez, le vinaigre de par sa nature est quelque chose d'acide. Donc, si la quantité de vinaigre est supérieure à la quantité d'huile, vous aurez à la fin une purée d'avocat plutôt acide. Donc, pour chaque une cuillère à soupe de vinaigre, prenez-en deux cuillères à soupe d'huile. Lorsque vous avez fait ceci, vous allez remuer jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Et une fois homogène, vous allez le verser dans votre purée. Donc, vous le versez dans votre purée et vous continuez de tourner. Et ce sera tout.
Ma purée est prête, je vais la manger avec du pain. Vous pouvez aussi la manger avec des spaghettis. J'ai vu des gens le faire ainsi. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la recette avec vos amis. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!